Elle dit pourquoi tu regardes des gens qui martyrisent des chats? Quoi? C'est impossible! Coucou mes chatons! Aujourd'hui, on va faire un challenge TikTok. On va regarder des petits chatons qui vous ressemblent. Mais il faut surtout pas dire oh, ils sont trop chauds. Ou bien il faut surtout pas dire oh, il est trop mignon. Oh là là! Il y a une personne inconnue qui m'a envoyé une sélection de vidéos TikTok. Il ou elle m'a dit surtout ne les regarde pas. Tu peux seulement les regarder si tu fais une vidéo YouTube. Voilà, je vais regarder ces vidéos, mais j'espère que c'est pas n'importe quoi quand même. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Moi je suis prête. Donc on va commencer, enfin on va débuter, on va regarder les vidéos quoi. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Mais pourquoi il fait tomber son chat par terre? Oh, arrête de le faire tomber par terre, il va se faire mal. Arrête. Ce chat est sur l'immeuble! Il tombe! Waouh, il est tombé et il est parti. Oh, le pauvre, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Ça doit faire mal, ouais. Il met sa tête toujours dans un carton. Il fait pas mal comme ça. Oh. Oh. C'est trop... Oh, t'as vu? On aurait dit qu'il y a une sorte de petite robe. Ah d'accord, le chat il sait pas ce que la dame a le faire parce qu'elle fait ah 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 ah. Ouais, et le chat il se demande mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la nourriture? C'est quoi dedans? Ouais d'accord, il se demande mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il met sa main dedans, Un chat. Oh, il est tombé dans l'eau et les chats ils ont peur de l'eau. Alors le pauvre chat, il est où maintenant? Il est où le chat? Il est où le chat? Il est tombé dans l'eau? Il est où? Oh, il est là. Il est là, sous le pont. Le pauvre chat, hein. Il est tombé dans l'eau. Oh. Pourquoi elle a un... Ah, elle fait croire que c'est des peignes. De nourriture. Ah, elle croit qu'il est Simba. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un challenge. Ah oui, c'est un challenge. Il faut passer. Il faut pas casser les verres. Sur un skateboard? Non, moi je peux pas aller sur un skateboard. Porte un élastique et comme ça. Il est coincé dans le stand avec les lézards. Et c'est quoi? Oh, il y a une sorte de crapaud, je sais pas quoi dedans. Pourquoi il est à l'intérieur? Non mais il y a un lézard ou un crapaud, je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Oh là là, c'est des serpents ou c'est quoi? Non, je sais pas. Qu'est-ce que ce chat il fait? Il fait du sport? Apparemment, il fait du sport. Ah non, il essaye d'entrer dans la maison par attraction. Alors, ces chats là. C'est carrément un voleur en fait, hein. Il essaye d'entrer dans la maison. Ouais, bien sûr. Il pense qu'il aura de l'aide. Eh mais comment il va faire pour... Ah oui mais... Il est entré? Il va entrer? Il va entrer? Il est entré? Il est entré? C'est un... Quoi? C'est un truc électrique. Ah ouais, donc le chat, quand la machine elle parle, il saute dessus. Ou bien c'est qu'il a peur. Oui, il a peur et il mange en même temps. Bizarre quand même.
Quoi? On aurait fait. Ah oui, il pensait qu'il allait tomber. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah ouais, il s'est levé, il s'est carrément levé comme ça! Ça, c'est les garçons qui se lèvent. Maintenant, les filles, comment est-ce qu'ils se mettent? Ah, les filles, sont genre. C'est quoi? J'ai un message ou un appel téléphonique? Quoi? C'est Angela? Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit pourquoi tu regardes des gens qui martyrisent des chats? Mais pas du tout Angela, c'est juste pour m'amuser. Qu'est-ce qu'elle répond? Non, c'est des vidéos méchantes sur les chats. C'est des vidéos TikTok Angela, c'est pas moi qui les a fait. Et je trouve pas que c'est méchant même, c'est même amusant. Non, c'est pas amusant, c'est bébête et dangereux pour nous. Qui nous? Angela, comment ça nous? Qui nous? Nous, la communauté des chats. Les amis, là il y a un petit problème avec Angela, donc je dois arrêter la vidéo TikTok et résoudre ce problème. Angela, là ça m'énerve. Là je vais faire ma vidéo seule, sans problème, ok? Donc tu vas me laisser tranquille. Qu'est-ce qu'elle dit? Vérité, puisque tu m'écoutes pas, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi ce que j'entends en haut? On dirait qu'il y a quelqu'un qui marche en haut. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en haut qui marche. Angela, c'est toi qui marches en haut? Oui, je suis en train de te faire une surprise. Non, 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 non! Comment elle entre dans ma maison? Et d'abord, pourquoi ne pas faire une surprise? Angela, qu'est-ce que tu fais comme surprise? Et comment t'es entrée dans la maison? Pour moi! Bon, les amis, là, je dois arrêter et aller voir ce qui se passe. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai très peur parce que j'ai entendu du bruit en haut et apparemment il y a quelqu'un. Oh, j'ai tellement peur. Imaginez, il y a quelqu'un en fait. Angela m'a dit qu'elle avait préparé une surprise. Donc je sais pas vraiment si c'est elle ou pas. Mais ça fait vraiment peur. Bon, j'y vais. Quoi? C'est impossible! Mais c'est quoi ça? Un sapin de Noël et des cadeaux? On n'est pas Noël non plus, hein.
Mais on est en mars. On va plutôt fêter Pâques. Pourquoi il y a plein de cadeaux de Noël? Ça rime à quoi ça? C'est impossible. C'est pas Noël, c'est plutôt Pâques dans quelques jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je vais demander à Angela. Bon, Angela, ça rime à quoi tout ça? Tu t'es pas trompée de date? Parce que là, on est plutôt du genre en mars et c'est bientôt Pâques. Bon, je vais appeler ma maman pour lui dire ce qui se passe. Oh là là, je sais pas. Coucou maman! Coucou mon cœur, ça va? Non, pas du tout d'ailleurs. D'abord, j'étais en train de faire un challenge TikTok. Puis il y a Angela qui m'a contactée, encore une fois. Donc, Angela? Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle te veut, Verity? Elle m'a dit qu'elle préparait une surprise. Une surprise? C'est-à-dire? Là, je viens de découvrir la surprise. Elle m'a fait du genre une surprise Noël, avec un sapin de Noël et des cadeaux. Mais je ne crois pas. Où est-ce qu'elle a fait ça? Elle t'a envoyé une photo d'un sapin de Noël avec des cadeaux? Non, je pense qu'elle est venue dans la maison où elle a envoyé quelqu'un et après ils ont mis les cadeaux. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Verity? Tu veux dire qu'il y a un sapin de Noël plus des cadeaux de Noël chez nous? Mais c'est même pas Noël! Mais regarde! C'est celui-là? T'es sûre? Ah oui! Notre Noël a été détruit par Talking Angela. Elle avait volé tous nos cadeaux. Et je comprends pas. La surprise, c'est qu'elle t'a remis tous les cadeaux. En plus, c'est vrai! Ça ressemble carrément au cadeau qu'elle m'a volé. Et j'ai l'impression que c'est ça. La surprise, c'est qu'elle redonne les cadeaux qu'elle a volés. Bon, je sais ce que tu vas faire, Verity. Tu vas ouvrir tous ces cadeaux et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tous? Oui, Verity, il faut tous les ouvrir tout de suite. Ok, Chelsea, c'est une super bonne idée. Je vais ouvrir tous ces cadeaux tout de suite. Courage, mon cœur. Tu sais très bien que les cadeaux de Noël sont très faciles à ouvrir. Donc, allez, tu les ouvres tous tout de suite. D'accord. À tout à l'heure, maman. Je t'aime. Bon, j'ai commencé à en ouvrir quelques-uns. Je vais ouvrir celui-ci, là, qui est plutôt petit. Celui-ci aussi. Celui-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop cool! C'est une veste en cuir. Elle m'a l'air trop cool. Attends, je vais l'essayer maintenant. Joli, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. La suite maintenant, je vais ouvrir celui, ces cadeaux. Des Lego pour faire des cadres. C'est trop cool, en plus j'adore les Lego. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Allez, on va ouvrir. J'ai trop d'y essayer. Trop cool. Je vais ouvrir ça. C'est mon film préféré. C'est une série sur Netflix. C'est au propos d'une sorcière qui va dans une académie. Et en fait, il y a de plus en plus de talents. Allez, cadeau suivant. C'est trop cool! Une machine qui fait des bracelets. Je vais enfin pouvoir ouvrir mon magasin de bracelets pour amis. Ah, c'est trop cool! Bon, je vais arrêter d'ouvrir mes cadeaux là et je vais envoyer un message à Talking Angela. Talking Angela, c'est vraiment gentil de ta part tous ces cadeaux parce que tu les as volés mais après tu les as rendus, donc ça c'est vraiment gentil. Merci beaucoup Angela!
Je continue à ouvrir tous ces cadeaux et je vous dis au revoir. A bientôt mes kitties. Si vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'en regarder plein d'autres parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que vous n'avez pas encore vu. A bientôt mes kitties.